Le monde actuel et l'évolution des mentalités nous poussent à revoir notre manière de vivre. C'est pourquoi, si j'étais député européen, je proposerais une loi visant à protéger l'environnement et en particulier les fonds marins. Elle viendrait compléter la loi sur la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 et la directive européenne du 5 juin 2019 et se voudrait dans une application mondiale car l'Europe seule ne suffira pas. Ma priorité pour cette mission, c'est d'éveiller les consciences en montrant la gravité de cette pollution, à la fois visible et invisible lorsque l'on parle du 7e continent. Celui-ci est constitué d'environ 3 millions de kilomètres carrés de déchets plastiques et de microplastiques inférieurs à 5 mm sur 30 mètres de profondeur. Cette pollution océanique représente environ 300 millions de tonnes de déchets sur lesquels se rajoutent 10 tonnes par an provenant des continents. Pour lutter et mettre fin à cette pollution, il faut commencer en éliminant efficacement et durablement ces 10 tonnes que l'on déverse chaque année dans nos océans. C'est pour cela qu'il est urgent de mettre en vigueur cette loi mondiale visant à supprimer la commercialisation et l'utilisation des objets en plastique à usage unique, bouteilles, emballages, couverts, etc. Pour rendre cette loi possible et acceptée dans la durée, il faudra mettre en place des campagnes de sensibilisation pour modifier nos comportements et amener nos populations à plus de respect pour l'environnement. Mais cette loi qui se veut universelle encouragera le reste du monde à suivre l'Europe si et seulement si nous nous montrons exemplaires. Ainsi nous rendrons à la nature la propreté qui était la sienne quand elle nous a accueillis.